Bienvenue au cours de Bosu, niveau difficile. Je m'appelle André et pour cette session de 14 minutes, je vous ai préparé un cross-training très complet. On va alterner le travail du bas, du haut du corps, tout en boostant votre cardio. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va décontracter tranquillement ses épaules et puis on va inspirer pour lever les bras. Soufflez et poussez les bras vers le ciel pour vous étirer, pour vous décontracter. Quelques squats pour réveiller ses jambes, pour activer tous les muscles du dos. Posez le bosu à plat comme ceci. Un pied sur le bosu, un pied au sol. Et puis à chaque fois, vous faites l'effort de garder le regard loin devant, la poitrine haute. On part très lentement en poussant les fesses en arrière vers le sol. Une deuxième répétition tout en contrôle. Les abdos bien serrés, la poitrine haute. Et puis le sourire avant d'accélérer. On y va. 7, 6, 5, 4, encore, le regard loin devant, la poitrine haute, et puis on reste en bas pour sauter et passer de l'autre côté, 7 squats, rapide, à chaque fois vous faites l'effort de maintenir les genoux ouverts, il en reste 3, le dernier, reste en bas, reprends le contrôle, super lent. 4, 3, 2, 1, inspire pour descendre et souffle pour monter. Impeccable, un peu plus rapide, un peu plus tonique. On passe de gauche à droite, saute et freine. Et si toujours cet effort pour maintenir le buste fixe, stable. Encore quelques reps. Impeccable. Très bon départ. Secouez les jambes pour récupérer. Et je vous ai dit, on alterne un travail du bas du corps, du haut du corps, pour un maximum de cardio. On poursuit au sol, en planche, sur les mains. Les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. On allonge ses jambes, on engage ses abdos, ses fessiers. On garde une planche bien droite, les épaules, le bassin aligné avec les chevilles. Et puis tranquillement, tu traverses. Deux mains sur le bosu, deux mains au sol. À chaque fois, on fait l'effort de maintenir les épaules, le bassin, parallèle au sol. Reviens sur le bosu. Les épaules loin des oreilles, un maximum de longueur, là, tout le sommet du crâne, les talons, tu passes sur les avant-bras. Active ton cardio, active tes abdos avec des jacks. Une jambe. Côté, dedans. Et puis si tu peux, tu envoies les deux jambes dehors, dedans. À chaque fois, tu fais l'effort de maintenir le bassin aligné avec les épaules, les genoux. Récupère tranquillement. Et puis pour finir ce bloc, une petite épreuve d'agilité. Tu les sors sur tes appuis, pour des appuis dynamiques. Et puis on va le faire tranquillement. Un pied sur le bosu, deux pieds sur le bosu. Un pied au sol, deux pieds au sol. On l'a fait dans le sens inverse. Fixe le buste, maintiens le regard loin devant et accélère. Tout ton travail, c'est de fixer le buste et de résister. Laisse les jambes chauffer, laisse le cardio monter. Rapide, viens toucher les chevilles avec les orteils. Encore quelques secondes. Accroche-toi. À dernière aller-retour. Impeccable. Récupère. Parfait. On poursuit. On essaie de grimper un tout petit peu le niveau. Vous avez vu, on a pris un coup de chauffe. Plus de poitrine, plus d'abdos, plus de bras pour la suite. On retourne le bosu. Et puis on prend le temps là, pour retrouver son souffle. On va alterner un travail de planche et un travail de squat. Posez les genoux au sol. Et puis cette fois, une planche instable, les mains sur le bosu renversé. Sortez la tête des épaules, engagez dès à présent les abdos, les fessiers, passez en planche. Et puis voilà la suite. Toc, push-up. D'un côté, puis de l'autre. Un genou vers un coude. Un push-up. Et une dernière fois, courage. Ok, récupérez.
Vous avez dit, on a monté le niveau, on a terme planche, squat. Essayez de trouver l'assise en poussant les fesses bien en arrière. Levez le regard, un dos long, les abdos solides. 4 jumps, on contrôle la descente. 4. 3. Allez, encore 2. Le dernier. Et on relâche les épaules. On revient en planche. Le tuck, le push-up. On est prêt, on s'installe. Les mains sur le bosu. Planche longue. Tuck, push. C'est parti. Restez concentrés. C'est pas le plus facile. Et on s'accroche. Quelques secondes. Une dernière rep. Puis reste en planche et grimpe. Et c'est juste tes genoux. Tu trouves de la vitesse, tu oublies les push-ups. Accroche-toi, stabilise les épaules. Stabilise le bassin. Quelques secondes. 3, 2, 1. Reste en planche. On enchaîne sur un burpee. Ramène tes pieds. Attrape le bosu. Pousse dans les talons. Engage les fessiers pour te redresser. Inspire, descend. Retrouve tes appuis. Main sur le bosu. Planche, on continue, hein, lentement, fluide. Les pieds, au niveau des mains. Tu souffles, tu pousses, tu te redresses. Tu t'assois, tu reposes. Main sur le bosu, on va la planche. Un peu plus rapide. 4, 3, 2, au revoir. Pousse, pose, allonge. Encore, encore. 2 burpees. Un dernier. Ok. Récupérez le bosu. Retournez le bosu à nouveau à plat. De l'agilité. Un maximum de vitesse. Un maximum de gainage. Je vous la refais. Les deux pieds au sol. Un pied sur le bosu. Deux pieds sur le bosu. Un pied au sol. Deux pieds au sol. Est-ce que tu es prêt? Descends sur tes appuis. Envoie tout ce que t'as. Accroche-toi. Quelques allers-retours. Stable. Gainage. Encore. Le dernier. Ok. On est presque au bout de ce set. Une épreuve de puissance, de stabilité. Toujours le bosu à plat. Cette fois les squats. Pieds sur le bosu. Trouve l'assise. Serre le ventre, la poitrine ouverte, les épaules, main des oreilles. 4 fois, 4 fois, c'est parti. Amortis ton squat, prends le temps pour freiner. Encore 2. Et le dernier, impeccable. Parfait. On poursuit le travail de gainage debout. Toujours un peu plus de stabilité sur les genoux, sur le maintien du dos. On retourne à nouveau sur bosu. Et on prend le temps. On prend le temps de retrouver son souffle. Grosse épreuve d'équilibre. On va bien prendre le temps de s'installer debout sur le bosu retourné. Décontracter les épaules. Prenez une grande bouffée d'oxygène. Soufflez. Et puis tirez-moi ce dos. Avant d'enchaîner sur la suite. Parfait. On retourne. Un pied sur le bosu cette fois. Puis on engage le deuxième sur cette planche instable. Comme on le fait au sol, on essaie de ne pas subir la gravité en engageant ses fessiers, mais aussi en activant tout ce dos pour se redresser. Puis très tranquillement, un squat tout en contrôle, fluide. Descends, descends, monte et monte. Prenez le temps, inspirez pour descendre. Soufflez pour monter. Et même sur la descente, essayez vraiment d'allonger ce dos. Encore 2 comme ça. Et puis on va essayer de sortir de cette position de confort en accélérant le tempo. Plus rapide, plus de gainage. 8, 7, 6, 5. Accrochez-vous. Essayez vraiment de garder les appuis stables, horizontaux. Reste en bas et surf. Reste ici. Fais chauffer les cuisses. Détends les épaules, le dos long, le nombril aspiré vers la colonne. Quelques secondes. 3, 2, 1, redresse-toi.
Deuxième set. Prends le temps de respirer, prends le temps de te stabiliser. Toujours. Le dos activé pour rester droit. Cette fois, tu serres les poings. Tu squattes lentement. Tu pousses vite, tu lèves les bras. Inspire. Contrôle ta descente. Souffle. Explose. Travaille ta descente. C'est ici que tu produis un maximum de force. Contrôle. Encore. Tu restes en bas. Allonge les bras. Sors la tête des épaules. Ouvre la poitrine. On continue à faire chauffer les cuisses. On continue à pousser le cardio un petit peu plus loin. Tu pousses à droite. Tu pousses à gauche. Les épaules, le bassin. Ne bouge pas. Avec moi. Lentement. Fixe les épaules. Fixe le bassin. Puis viens perturber ton équilibre. Plus rapide, plus stable. Quelques secondes. Ça chauffe, ça chauffe. Ok. Redresse-toi. Squat. Allez, allez. Il nous reste encore 2 minutes 30 à passer ensemble. Reste en bas. Viens trouver ton gainage. Pousse, 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 pousse. Encore. Quelques secondes. 3, 2, stable, puissant, remonte. Et puis attention à la descente. Pose les pieds. Retourne enfin le bosu. Parfait. Excellent travail. Il nous reste quelques exercices pour travailler sa posture, pour travailler son gainage. Cette fois, on va s'installer à quatre pattes, mais on va laisser un genou sur le bosu. Les mains sous les épaules. Et puis on essaie de garder les deux genoux pour l'instant sous les hanches. Essayez de sortir de cette position-là, un peu étriquée. On se grandit, on sort la tête des épaules, on vient trouver de l'espace là au niveau de la poitrine pour mieux oxygéner. Et toujours des abdos bien engagés. En inspirant, on va allonger doucement le bras, la jambe opposée. Et en soufflant, on va ramener. On va essayer d'aller assez lentement pour activer là tous les muscles qui soutiennent la colonne. Et maintenir les épaules, les hanches, parallèles au sol. Deux de plus. Inspire. Allonge. Souffle et ramène. Un dernier avant de passer de l'autre côté. Trouvez un dos long. Maintenez le nombril, aspirez vers la colonne. Changez de côté. Allez. Un dernier set. Et on pourra se détendre. Même posture. Les mains sous les épaules, les genoux. Juste en dessous. Les hanches, on a bien changé de côté. Hein. Sortez la tête des épaules, ouvrez la poitrine et aspirez le nombril vers la colonne. Quatre fois. J'inspire pour allonger. Je fais l'effort de maintenir les épaules. Les hanches de face. Trois. Serrez ce ventre au fur et à mesure que vos segments là s'éloignent. Et le dernier. C'est le moment où vous vérifiez. Le nombril aspiré vers la colonne. Le dos long, et puis poser. Très beau travail, très beau travail. Bravo à tous pour votre engagement physique. On va juste prendre le temps de se décontracter avant de se quitter. Ouvrez la poitrine, retournez les mains vers le ciel, puis en soufflant, croisez les doigts, fléchissez les genoux, lâchez la tête et soufflez pour creuser le ventre, tandis que le dos s'arrondit. On fait ça encore une fois, j'inspire. Les coudes déverrouillés, les épaules détendues, loin des oreilles. Créez un appel d'air là. Une grande bouffée d'oxygène. Soufflez. Relâchez la tête. Creusez le ventre. Arrondissez le dos. Ouvrez. Excellent. Excellent travail à tous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres sessions, d'autres cours. À très bientôt. Keep cool.